Alors, des délais de livraison colossaux pour le Cybertruck. Musk a annoncé les prévisions de production du Cybertruck pour la première année. Si vous êtes parmi les premiers à l'avoir précommandé, vous risquez d'être très déçu. Alors, si vous êtes les premiers, normalement, vous l'aurez pas trop tard. Par rapport à ceux qui sont les derniers, du coup, c'est pas logique. Au moment où Tesla suspend les commandes de son pick-up en 2022, le délai de livraison annoncé était déjà de 5 ans. Musk a parlé de l'avancement de la production du Cybertruck au cours d'une réunion avec les actionnaires de la société. Et les propos qu'il a tenus ne risquent pas de plaire aux fans de voitures de la marque américaine. S'il est bien confirmé que l'objectif reste de commencer à fabriquer des Cybertrucks dès le mois de juin 2023 et que la production atteindra une vitesse de croisière en 2024, il a dû admettre que la demande est si forte que les commandes ne pourront pas être honorées avant plusieurs années. Il a déclaré que la production suivra une courbe en S. Elle sera donc d'abord lente, puis s'accélérera. Nous devrions en produire 250 000 par an, peut-être plus. Ça dépend de la demande. En supposant que la production atteindra un rythme normal en janvier 2024, il faudra 6 ans pour livrer tous les véhicules déjà commandés, ce qui mène à l'horizon 2030. C'est délirant. C'est n'importe quoi. Les gens, ils vont annuler leurs commandes, bien sûr. Ils vont pas attendre 6 ans que le Cybertruck leur soit livré. Tout aura évolué en 6 ans en plus. Il y aura sûrement d'autres pick-up concurrents qui seront encore mieux que le Cybertruck aux États-Unis. Un délai si long que le nombre de précommandes risque d'être annulé. Après tout, Tesla n'a réclamé que 100 $ remboursables pour placer une réservation. Bon, l'avenir de la marque ne dépend pas du Cybertruck, heureusement. Et oui, heureusement. Donc, bon, Cybertruck, c'est voilà, c'est un délire de Tesla, mais au final, je pense qu'il y aura plus de mécontents des délais de livraison qu'autre chose. Au final, ils vont tous annuler et puis on se rabat ailleurs, hein, tout simplement. Vous en pensez quoi de ces délais-là?